ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Frères et sœurs, nous continuons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala l'explication de cet épître du Cheikh Abdul Aziz ibn Baz rahimahullah, qu'il a nommé les leçons importantes pour l'ensemble de la communauté. Nous en sommes à l'avant-dernier chapitre. Nous avons commencé cet avant-dernier chapitre, ou l'avant-dernière leçon, qui est la mise en garde contre le polythéisme et les péchés en général. Et nous avons commencé il y a 2 semaines à parler de ce chapitre. Nous avons parlé de certains grands péchés, comme le polythéisme, la sorcellerie, tuer une âme innocente qu'Allah a rendue sacrée, subhanahu wa ta'ala. Et je pense qu'on s'en était arrêté là. On avait cité ces 3 péchés-là et on n'avait pas eu le temps de finir. Parmi les grands péchés qui sont cités dans le hadith, sab'ul mubiqat, le hadith qu'on a cité la dernière fois où le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Délaissez les 7 péchés pernicieux », c'est-à-dire qui sont la cause de votre perte, « al-mubiqat » et « al-muhlikat ». Il a cité « al-ishraku billah », l'associationnisme ou le polythéisme, la sorcellerie, tuer une âme sacrée, sauf de bon droit, manger l'intérêt usuraire, manger le bien de l'orphelin, le fait de se sauver au moment de la bataille, de tourner le dos au moment de la bataille et de se sauver, et le fait d'accuser les femmes chastes et innocentes, les calomnies. Ces 7 péchés qui sont cités dans ce hadith ne sont pas les 7 seuls grands péchés. Nous avons cité qu'il a été demandé à Abdullah ibn Abbas, est-ce que le nombre des péchés, des grands péchés sont de 7, et qu'il a dit ils sont plus proches de 70 que de 7. Et qu'un grand péché ne reste pas s'il y a un repentir et une demande de pardon derrière, et qu'un petit péché ne reste pas petit quand la personne elle le fait avec constance, c'est-à-dire qu'il se transforme en grand péché. Nous avons défini qu'est-ce qu'était le grand péché. Nous avons dit tous les péchés sur lesquels il y a un châtiment dans ce monde ou dans l'au-delà, ou bien la malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien une peine qui a été citée dans ce monde, ou bien que la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala est citée sur celui qui fait telle chose, Allah est en colère contre lui, ou bien les péchés où il est dit « Wallah, il n'est pas croyant celui qui fait telle chose, Wallah, il n'est pas croyant celui qui fait telle chose ». Voilà, tout ceci sont des preuves, quand ils sont cités dans ce contexte-là, avec cette manière-là, cela prouve que c'est un grand péché. Et nous avons cité le verset où Allah tabaraka wa ta'ala a dit « Si vous vous éloignez des grands péchés, nous vous pardonnerons
vos péchés et on vous effacera vos fautes et nous vous ferons entrer dans une demeure honorable. Donc, il est de l'obligation de tous les musulmans de connaître les grands péchés pour les éviter. Nous avons parlé aussi du fait qu'il ne suffit pas de connaître le bien. Il faut connaître le bien pour l'appliquer et il faut connaître le mal pour le délaisser. Et comme dans la croyance, on apprend le tawhid et on apprend son contraire, le shirk, pour ne pas tomber dedans. De même dans le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on apprend la sunna. Quelles sont les sunnas dans telle ou telle chose? Quelles sont les sunnas dans telle ou telle chose? Et on apprend son contraire, qui est la bid'a, l'innovation, pour ne pas la pratiquer. De même, on apprend les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour les mettre en pratique. Et on apprend les interdits, pour les délaisser. On ne peut pas se suffire d'un côté de la religion. De même, on conseille le bien, et on déconseille le blâmable. Ces deux côtés en islam vont de pair. On ne peut pas les séparer. On ne peut pas séparer conseiller le bien avec déconseiller le blâmable. Mais aujourd'hui, on est dans une époque où tellement les gens, ils veulent seulement des paroles qui plaisent à tout le monde, alors ils n'acceptent pas quand on déconseille le blâmable. Ou ils n'acceptent pas quand on met le doigt sur quelque chose qui est faux, ou sur une erreur, ou quand on montre un égarement. Ils disent non, c'est pas bien, ça divise les gens, ça fait mal, c'est douloureux. Oui, c'est douloureux, mais c'est une réalité, cette réalité. Il faut qu'on la désigne. Là, si le péché ou l'égarement, il est fait en public, on ne peut pas le laisser comme ça. Par contre, quelqu'un qui fait un péché en privé, il ne faut pas le dévoiler. Il faut le conseiller en privé. Il faut le conseiller en privé. Non. Et là, on était arrivé à aklu mal il yatim, manger l'argent de l'orphelin, le bien de l'orphelin. Comme vous savez, l'islam a donné une grande importance à l'orphelin, car un orphelin est faible. Premièrement, quelle est la définition de l'orphelin? L'orphelin, c'est celui qui a perdu son père avant l'âge de puberté. Celui qui perd son père avant la puberté, c'est un orphelin. Après la puberté, on ne dit pas de lui que c'est un orphelin. Et pourquoi le père? Car le père, c'est lui qui peut dépenser pour lui, qui peut le protéger des injustices des gens, etc. Enfin, toute personne qui a perdu son père avant l'âge de puberté, c'est un orphelin. Et toutes les règles qui sont liées à l'yatam, alors aux orphelins, elles sont applicables sur lui. Et Allah nous a enjoint d'être bons avec les orphelins. Et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, « Moi et celui qui s'occupe de l'orphelin, nous sommes comme ses deux doigts au paradis. » Et il a joint entre l'index et le majeur, sallallahu alayhi wa sallam, comme ses deux doigts au paradis. Et celui à qui Allah tabarak wa ta'ala a donné la responsabilité d'orphelin et qui les maltraite ou qui mange leurs biens sans droit, alors qu'est-ce qu'Allah a dit de lui dans sourate An-Nisa? Ceux qui mangent les biens de l'orphelin injustement, ils ne font que manger dans leur ventre du feu, des braises de l'enfer. Et ils vont brûler dans le feu. Donc c'est un grand péché de manger l'argent de l'orphelin. Combien on trouve, et ça c'est malheureux, dans les pays musulmans, les premiers à voler l'orphelin, c'est sa famille. Les oncles, les cousins, les tantes. Dès que le père est mort, et qu'il a laissé à l'enfant, par exemple, des morceaux de terre, ou il a laissé des maisons ou des biens, les premiers à lui voler, ce sont les oncles, les frères du père ou les frères de la mère. Alors que normalement, ça devrait être les premiers à le protéger. Est-ce que ceci, c'est normal? Ces gens-là, ils ont fait kabira min al-kaba'ir, ils ont fait un grand péché. Et ils mangent dans leur ventre du feu de l'enfer. Et yawm al-qiyama, ce morceau de terre qu'ils ont pris par injustice, et ça, c'est propre à l'orphelin ou toute personne. Tout morceau de terre qui est pris par injustice, yawm al-qiyam, la personne, il viendra, il sera étranglé, encerclé par ce morceau de terre qu'il a pris par injustice. Fattakullah, fil yatam, craignez Allah concernant l'orphelin. Les orphelins, c'est ceux qui méritent notre miséricorde, notre indulgence, notre aide, notre protection, et non pas
profiter de leur faiblesse pour leur faire de l'injustice. D'ailleurs, Allah est avec les faibles qui se font opprimer. Allah est avec les faibles qui se font opprimer. Celui qui est opprimé, qui est faible, s'il lève la main contre et il fait dua contre quelqu'un, cette chose-là, elle va le toucher. Bi-idhnillah. Bi-idhnillah. Combien on trouve des gens aujourd'hui, ils sont maudits. Tout ce qu'ils font, il n'y a pas de baraka. Tout ça à cause d'une injustice qu'ils ont fait à quelqu'un, ou à un orphelin, ou bien à leurs parents, ou à leurs proches, ou à une personne, une injustice grave, et ils n'ont pas réparé cette injustice. Et la malédiction de ce péché, elle les suit toute leur vie, tant qu'ils n'auront pas réparé. Tant qu'ils n'auront pas réparé ce péché-là, entre eux et Allah, et entre eux et les gens, alors la malédiction de ce péché, elle le suit toute leur vie. Quand on dit la malédiction, c'est-à-dire tout péché, c'est une cause de malheur, par la volonté d'Allah. Comme Allah tabaraka wa ta'ala a dit, وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ. Il n'y a pas un malheur qui vous touche sans que ce ne soit à cause de ce que vos mains ont acquis, et à quoi Allah pardonne beaucoup. Subhanahu wa ta'ala. Parmi les grands péchés qui sont cités dans ce hadith et que le cheikh a cité, c'est l'intérêt usuraire. L'intérêt usuraire. L'intérêt usuraire, al-riba, al-riba, c'est une chose, surtout à cette époque, sur laquelle beaucoup de gens ne prêtent pas attention et ils considèrent que ce n'est pas grand-chose, alors que ça fait partie, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, al-mubiqat, al-muhlikat, la cause, celles qui vont te faire perdre. Les péchés qui sont la cause de ta perdition. Il y a dans le Coran un seul péché dans le Coran pour lequel Allah il déclare la guerre à celui qui le fait, c'est le riba. Celui qui fait le riba, l'intérêt usuraire, Allah lui a déclaré la guerre dans le Coran. Et il y a un autre péché aussi pour lequel Allah déclare la guerre à quelqu'un, mais ça c'est dans un hadith Qudsi. C'est celui qui fait du mal à un bien-aimé d'Allah. Man aada li waliyan فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ. Celui qui fait du mal à un de mes bien-aimés, je lui déclare la guerre. Donc imaginez-vous la gravité de ce péché pour qu'Allah déclare la guerre à celui qui le fait. Et aujourd'hui, pour un oui, pour un non, pour X raisons, les gens cherchent à trouver des failles et des tromperies dans la religion pour s'autoriser à faire un grand péché. Al-riba, avant d'entrer dans l'explication de cela, qu'est-ce que c'est al-riba? Qu'est-ce que le riba? À la base, sur le riba, il est venu sur le hadith de Ubada ibn Samit, radiallahu anhu, où il a dit, l'or contre l'or, l'argent contre l'argent, le blé contre le blé, l'orge contre l'orge, le sel contre le sel, les dattes contre les dattes, sawa an bisawa, à part égale, à mesure égale, yad an biyad, main à main, celui qui rajoute ou qui demande à rajouter, faqad arba, il a fait du riba. Il a fait du riba. Ça, c'est la base, le hadith de base sur le riba. C'est-à-dire qu'il y a des catégories spécifiques. Les savants ont divergé sur ces catégories. Déjà, l'or et l'argent, ils rentrent dedans. Et tout ce qui est dans le sens de l'or et l'argent. Les biens, l'argent aujourd'hui qu'on a, les monnaies. Les monnaies, ça remplace l'or et l'argent. Les monnaies aujourd'hui, ça remplace l'or et l'argent. Car c'est avec la monnaie qu'on donne la valeur des choses. Cette chose, elle vaut tant d'euros, tant de dollars, tant de dirhams, tant de etc. N'est-ce pas? Puis après le reste, les savants ont divergé. Est-ce que c'est spécifique à tout ce qui est nourriture ou bien c'est tout ce qui est pesé
tout ce que l'on peut peser et que l'on peut quantifier en volume. En résumé, il y a divergence entre les savants, mais en résumé, on pourra dire tout ce qui peut être pesé ou quantifié en volume ou qui est de la nourriture, le riba, elle rentre dedans. Le riba entre dedans. Ça, c'est un résumé. Taïb. Maintenant, on va parler des formes de riba que l'on voit autour de nous aujourd'hui. Le riba qui était pratiqué à l'époque de Quraysh, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était quoi? C'est exactement ce que les banques font aujourd'hui. Ils prêtent pour que tu lui rendes plus. Ils prêtent pour que tu lui rendes plus. Qui parmi les compagnons faisait cela avant l'interdiction? Al-Abbas, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au pèlerinage d'Adieu, il a appuyé sur ce fait. Tout riba est caduque, est nul. Et je commence par le riba de mon oncle Abbas. Il a bien montré que même c'est mon oncle ou c'est pas mon oncle. Tous les gens qui lui doivent quelque chose, ils lui rendent le capital, ils lui rendent pas le surplus. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans le Coran al-Karim, dans Surat al-Baqarah, une page entière où ça parle du riba. Si on parle de la fin, la troisième ou la quatrième avant-dernière page. Wallah tabaraka wa ta'ala a dit, Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui avez cru, craignez scrupuleusement Allah et délaissez ce qui reste du riba si vous êtes véritablement croyant. Si vous ne le faites pas, alors, prenez l'annonce d'une guerre d'Allah et de son messager. Et si vous vous repentez, alors, à vous votre capital, vous n'êtes pas opprimé et vous n'opprimez pas les autres. C'est-à-dire, la personne, elle récupère son capital, ce qu'elle a prêté, et non pas le surplus. Maintenant, le riba, il y a plusieurs degrés dans le riba. Il y a celui qui le mange, c'est-à-dire celui qui le prend, celui qui t'a prêté et qui mange le riba, qui prend le surplus. Ça, c'est un. Il y a celui qui le donne, c'est-à-dire c'est celui qui donne le surplus à celui qui le mange. Il y a ceux qui sont témoins du contrat et il y a celui qui écrit le contrat. Quel est leur statut à chacun? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit dans le hadith de Jabir ibn Abdillah, rapporté par l'imam Muslim. Il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, où Jabir ibn Abdillah a dit, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a maudit, celui qui mange le riba, celui qui le donne à manger, celui qui écrit le contrat, et ceux qui ont témoigné le contrat, et il a dit à la fin, wa hum sawa, ils sont tous égaux. Ils sont tous égaux. Tout ça, c'est du riba. Ou tout cela, plutôt, ils sont égaux dans le fait qu'ils soient maudits par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith sahih, rapporté par Abu Huraira, le riba, l'intérêt usuraire, Et de 70 portes, c'est-à-dire il y a 70 portes différentes. Il y en a plus graves, il y en a moins graves. Quoi qu'il en soit, tout ça, ça rentre dans le riba. Et il a dit quoi? Adnaha, la porte la plus basse, le moindre du riba, le moins grave du riba, c'est comme si une personne, elle fornique avec sa mère. Le moins grave, adnaha, imaginez-vous alors le plus grave. C'est comme si une personne forniquait avec sa propre mère. Donc, le riba, ce n'est pas une mince affaire. Ne vous laissez pas tromper par les fatwas des gens qui autorisent les gens à acheter des maisons par riba.
car ce sont des fatawas erronées. Et tous les savants du monde entier ont répondu à ces fatawas que ce sont des fatawas égarées et erronées. Et il y a eu des consensus, des majami' fiqhiyya, des assises de conseils du fiqh et des ulama du monde, de tous les pays, qui ont répondu à cette fatwa. Et qui ont dit clairement que c'est un égarement. Donc la personne qui s'est fait tromper par cela, il doit se repentir et régler sa situation avec Allah tabarak wa ta'ala avant de mourir dans cet état-là. Non. Dans un autre hadith sahih, pour vous montrer si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit des choses aussi graves sur le riba. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit un dirham de riba, c'est pire que 36 fornicatrices. Un dirham de riba, c'est pire que 36 fornicatrices. Et après, il y a des gens qui disent, non, mais allez, c'est pas grave. Achète une maison avec riba, fais ton commerce avec riba, achète une voiture avec riba, j'ai besoin de partir en vacances, riba, toute chose avec riba. Toute chose avec riba. Sans compter les méfaits qu'il y a dedans. Ça, on parle de l'interdiction et de la gravité dans la religion. Mais les méfaits, la personne, elle vit avec des dettes. Elle vit endettée. Elle vit soucieuse, dans les soucis. Elle est sous l'emprise de la banque. Si demain, il ne paye pas 2, 3, 4 échéances, il trouve toujours une manière pour récupérer ton bien et salam alaikum. Tout ce que tu as payé, c'est pour rien. La personne, elle a peur de perdre son emploi. Alors, elle fait quoi? En plus du riba, elle fait encore du haram. Elle souscrit à une assurance pour son riba. Encore, haram sur haram. Tu as ouvert une porte de haram, ça te mène à tous les autres harams. Fabarakallahu fikum. Il faut passer le mot. Les personnes qui ont été éprouvées par ce péché doivent s'en repentir. Il les a cités, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans les 7 plus grands péchés. C'est pas quelque chose de petit. Parmi les grands péchés, c'est le fait de tourner le dos le jour au moment du combat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un qui vit dans un pays musulman et que l'État, que le pays musulman est attaqué par des kuffars ou même par des musulmans qui sont transgresseurs. Parce que ça peut être ou bien des kuffars ou des musulmans transgresseurs. Et que Wali al-Amr, le gouverneur, il t'a appelé à combattre. Ou bien que c'est devenu fardou ayn de combattre pour défendre ta religion, ton honneur et ta personne. Taïb, la personne, elle est dans l'armée avec les musulmans, contre les kuffars, qui ont attaqué. Et au moment de la bataille, il tourne le dos et il se sauve. Ça, c'est un grand péché. Le contraire aussi. Un pays musulman, le gouverneur, pour X raisons, il a décidé d'aller attaquer une armée ennemie. Il a décidé d'aller attaquer une armée ennemie. Arrivé au moment de la bataille, la personne, elle tourne le dos, elle se sauve. C'est un grand péché. C'est un grand péché. Donc Allah Ta'ala dit dans le Coran, dans le sens du verset, vous qui avez cru, si vous rencontrez les mécréants au combat, ne leur tournez pas le dos. Et celui qui leur tourne le dos ce jour-là, sauf celui qui fait une diversion, ou bien qui a été chercher de l'aide, alors il a reçu la colère d'Allah sur lui, et sa demeure sera l'enfer, et quelle mauvaise demeure. Donc, voilà les seules conditions pour se tourner le dos. Tourner le dos pour une fin de guerre. C'est-à-dire, ils tournent le dos, ils font comme s'ils ont perdu pour pouvoir mieux attaquer. Ça, c'est permis. Ou tourner le dos pour aller chercher de l'aide. Parce qu'ils sont trop. Ça aussi, c'est permis. Par contre, celui qui tourne le dos pour s'enfuir, ça, c'est un grand péché. Non. Parmi les grands péchés qui sont cités dans ce hadith,
le fait d'accuser et de calomnier les croyantes chastes et innocentes. Pourquoi ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé des femmes? Et même dans le Coran, والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة. Pourquoi ici Allah Ta'ala a dit al-muhsanat, les femmes? Est-ce que ceci est spécifique pour les femmes? C'est celui seulement qui calomnie la femme qui a ce péché ou même l'homme? Dites-moi. Qui peut me répondre? C'est pour tout le monde. Mais pourquoi il a parlé de la femme? Car en général, c'est elle qui est plus calomniée. Car c'est les femmes qu'on calomnie le plus de ce péché, plus que les hommes. Donc le fait que c'est plus fréquent, c'est pour ça qu'Allah Ta'ala a parlé de la femme. Comme, par exemple, quand Allah Ta'ala parle de la fornicatrice et du fornicateur, il commence par la femme. Car malheureusement, c'est plus répandu chez les femmes qui font cela. Pourquoi? Pour gagner de l'argent, pour avoir des choses, etc., etc. Mais quand il a volé, parlé du voleur, Allah Ta'ala dit as-sariqu as-sariqatu. Il a commencé par l'homme, as-sariqu, parce que c'est plus fréquent chez l'homme, le vol. Fahakada. C'est pas parce que l'homme parfois elle est cité, ou la femme parfois elle est citée, que cela ne concerne pas l'autre. Mais c'est parce que ce péché est plus fréquent chez l'un ou chez l'autre. Donc ici, la femme qui est accusée à tort, en général, c'est plus des femmes. Et c'est pour ça qu'Allah Ta'ala a considéré cela comme un grand péché. Et il a dit dans le Coran, ceux qui accusent des femmes chastes, puis qui ne ramènent pas 4 témoins, alors fouettez-les de 80 coups de fouet. Hada haddul qadf. Et c'est pour ça, c'est ça le grand péché. Le fait de calomnier une femme, dire cette femme, elle a fait le haram avec un homme. Et il n'a pas 4 témoins sur cela. Il lui faut 4 témoins. 3 autres à part lui. Si les 4, ils ont vu le haram se faire, pas seulement ils les ont vus entrer ensemble quelque part et sortir. Ils ont vu le haram se faire. Sinon, ça ne compte pas. Presque impossible. Comment 4 personnes ils vont voir le haram se faire? C'est où ils sont cachés tous dans des endroits où je sais pas. Ou alors la personne il fait le haram en plein public. Comment? Donc tant qu'une personne elle a pas vu cela, il ne lui est pas permis, même si lui il est seul, il l'a vu avec ses yeux, avec certitude. Ils sont 2, ils l'ont vu avec leurs yeux, avec certitude. Ils n'ont pas le droit d'aller la calomnier. Jusqu'à qu'il y en ait 4. Et ceci est un grand péché aussi. Ceci est un grand péché de calomnier une femme chaste. Et subhanallah, les hypocrites, les kuffars qui montraient la foi au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont osé faire ça de la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Aïcha. Et Allah l'a innocentée dans le Coran. Et elle a descendu des versets pour l'innocenter. Radiallahu anha. Non. Ça, ce sont les grands, ceux que je viens de citer, ce sont les 7 grands péchés cités dans le même hadith. Mais les grands péchés, comme on a dit, ils ne se limitent pas à 7. Il y en a d'autres aussi, on va en citer quelques-uns, on ne va pas tous les citer. Aussi, en cela, je vous dirige vers le livre de l'imam al-Zahabi, Al-Kaba'ir. Attention, il y a 2 livres Al-Kaba'ir. Un qui disent que c'est celui de l'imam al-Zahabi, c'est pas à lui, c'est un mensonge, ce n'est pas lui qui l'a écrit. Et un autre qui est plus fin, celui qui est épais, où il y a beaucoup de détails, celui-là, là, ce n'est pas le sien. Un autre qui est plus fin, qui n'est pas détaillé, en arabe, je ne sais pas en français qu'est-ce qu'il donne, en arabe, il ne fait même pas une centaine de pages, moins qu'une centaine de pages, c'est un livre qui est fin. Celui-là, il vient de l'imam al-Zahabi et il y a des savants qui l'ont vérifié. Non. Donc on ne va pas tous les citer, mais on va citer quelques-uns à titre d'exemple. Après ces 7 que l'on vient de citer, nous allons citer un grand péché qui est grave aussi, c'est uquq al-walidain. La personne qui rompt les liens avec ses parents.
avec ses parents. Al-Walidain, ici, c'est le père et la mère. Comme on connaît tous les versets où Allah tabaraka wa ta'ala a ordonné d'être bon avec les parents, de leur obéir, de ne pas leur dire ouf, que même si ce sont des mécréants, il faut leur obéir dans le, tant que ce n'est pas de la désobéissance. Et que même si ce sont des gens qui te combattent à faire le kufr, comme Allah tabaraka wa ta'ala a dit, « وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا » Et s'ils font tous leurs efforts pour que tu me donnes quelconque associé dont tu n'as pas connaissance, ne leur obéis pas, mais sois bon avec eux dans le dunya, dans les choses matérielles. Et ça, c'est très important, ce verset est essentiel. Car il montre que la bonté avec un kafir, la bonté avec un parent kafir, ça reste une bonté matérielle, de dunya. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit d'être, ça ne fait pas partie de la bonté que de se joindre à lui dans ses fêtes religieuses. Ça ne fait pas partie de la bonté que de suivre son cortège funèbre ou de l'enterrer ou de participer à ses funérailles. Car tout ceci, c'est religieux. Ce n'est plus de dunya. La bonté, elle reste dans le halal du dunya, dans ce qui est licite dans le dunya. Lui faire des courses licites, l'aider dans le licite, etc. Tout ce qui est haram, tout ce qui est religieux, ça ne fait pas partie de l'birr, de la bonté. C'est interdit de l'aider en cela. Et une fois qu'il meurt, natabarra'u minhum. Une fois qu'il meurt, on se désavoue totalement d'eux. C'est fini. On a fait notre devoir tant qu'ils sont vivants. Ça, on parle des parents kuffar, mécréants. Par contre, si ce sont des parents musulmans, alors ils ont des droits sur nous de leur vivant et après leur mort. De leur vivant et après leur mort. Après leur mort, de respecter les liens de parenté dont ils sont la cause, c'est-à-dire dont ils sont le lien. Le fait d'invoquer Allah pour eux. Le fait de mettre en pratique leurs recommandations, tant que ce n'est pas quelque chose de nuisible ou de haram. Tant qu'ils n'appellent pas à une bid'a, ou bien ils ordonnent quelque chose de nuisible dans ta vie. Par exemple, ils t'interdisent recommandations, mon fils, tu te maries pas. Ils n'ont pas le droit de te demander des choses comme ça. Ma fille, tu sors pas de telle ville. La fille, elle arrive pas à se marier, elle va rien faire. Ces recommandations-là, elles sont pas bil ma'rouf, les recommandations acceptables. Aussi, bien sûr, de s'occuper de leurs funérailles, etc., de faire en sorte qu'ils soient enterrés sur la sunna rapidement, et tous les droits qui restent après leur mort, qui sont liés à leurs amis, d'être bons envers leurs amis. Abdullah ibn Omar a rencontré quelqu'un dans la rue, il a enlevé son turban et lui a donné, il a dit, c'était un ami à Omar, c'était un ami à mon père. Non. Tout cela, ça fait partie de la piété envers les parents après leur mort. Invoquer beaucoup Allah pour eux. La meilleure chose que l'on peut faire pour un mort, c'est de faire dua pour lui. Dua. Si on a déjà fait notre pèlerinage, on peut faire un pèlerinage pour lui, même s'il l'a déjà fait. On peut faire une sadaqa jariya pour lui. Par exemple, investir dans un projet qui est utile pour les musulmans. Comme ça, tant qu'il est utile pour les musulmans, il en gagne une part de hasanat. Par contre, lire le Coran pour lui, ce n'est pas légiférer. Lire le Coran pour lui, ce n'est pas légiférer. On va parler de tout ça après dans le janaïz, dans les règles funéraires. Tout ce qui est la nourriture, 40 jours, 3 jours, 1 an, je ne sais quoi, tout ça c'est des bid'a. Tout ça ce sont des innovations, ça n'existe pas en islam. C'est chez les chrétiens, c'est les 40 jours ça. Parce que pour eux, ils ont une croyance que 40 jours après la mort de Isa alayhi salam, il a ressuscité, puis etc. Donc ça vient de leur croyance, ces histoires de 40 jours. Ça vient pas de chez nous, ça vient de chez les chrétiens. Non. Taïb. Parmi les grands péchés, de couper les liens de parenté, ar-rahim. Ce n'est pas les parents, là, on parle. Couper les liens familiaux. Les liens familiaux, barakallahu fikum, les savants ont divergé sur qui sont-ils. Je vais vous lire une parole après de Cheikh Ibn Baz sur cela. Donc, ils ont divergé en trois paroles. Premièrement, ils ont dit ce sont ceux qui sont pour toi des mahrams.
ceux qui sont interdits pour toi éternellement en mariage. Al-Mahramiyya. Ce sont eux les liens que tu es obligé de tenir. Ça, c'est un avis. Le deuxième avis, ils ont dit, c'est tous ceux qui peuvent hériter de toi. Tous ceux qui peuvent hériter de toi en islam, ce sont eux, Ar-Rahim. C'est avec eux qu'il faut, quand on dit il faut lier les liens familiaux, c'est d'eux dont on parle. Le troisième avis, ça veut dire que ce sont les proches qui sont liés à toi de liens de sang. Pas les liens de lait. Par exemple, Ar-Rada'a. Le père de lait, la mère de lait, etc. Ça ne rentre pas dans les liens familiaux. Donc, qui sont-ils pour ce troisième avis? Ce sont les pères. Quand on dit les pères, c'est-à-dire le père du père, le père du père du père du père, les pères. Les oncles paternels. Regardez. Les enfants et les enfants des enfants. Les enfants des oncles. La mère, les mères et pères de la mère. Le père aussi, on a dit le père, mais père du père et mère de la mère aussi. La mère, les pères et mères de la mère et leurs parents, père et mère et père et mère de la mère. Les frères et sœurs de la mère et les enfants des frères et sœurs de la mère, les cousins. Abnaoul am wal amma. Tout ceci rentre dans ceux avec qui on doit tenir les liens de parenté. Et ce troisième avis, c'est l'avis que Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, a opté pour cet avis, le troisième avis. Il a dit, ce sont eux les liens de parenté. Wadih. Tayyib. Et plus ils sont proches, plus les droits sont grands. Par exemple, le père et la mère. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand on lui a demandé qui mérite plus ma compagnie, il a dit ta mère. Il a dit et puis, il a dit ta mère. Il a dit et puis, il a dit ta mère. Il a dit et puis, il a dit ton père. Il a dit et après cela, du plus proche au plus proche. Du plus proche au plus proche. Donc plus il est proche, plus le droit est grand. Plus il est loin, il y a un droit, mais le droit il est moins grand que les proches. Wadih. Tayyib. Quant à la famille de la femme, ils ne font pas partie des liens familiaux. Ses parents, etc. Ou la famille du mari, ils ne font pas les parties des liens familiaux. Quand on parle de tenir les liens familiaux, la famille du mari ou la famille de la femme ne rentre pas dedans. Mais il faut être quand même bon avec eux. Pourquoi ? Pour faciliter la vie familiale. Car quand on est bon avec eux, on facilite à notre épouse de tenir les liens de parenté. C'est-à-dire on l'encourage à une obligation. Et quand l'épouse, elle est bonne avec la famille du mari, elle facilite au mari les liens de parenté. Donc on le fait parce qu'on facilite une obligation à notre conjoint. Mais ce ne sont pas nos liens de parenté directs. Quand on dit lier les liens de parenté, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire pour lier les liens de parenté? Quand on dit lier les liens de parenté, qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour lier les liens de parenté? Alors, parmi les choses pour lier les liens de parenté, il y a le fait de les visiter, le fait de les aider financièrement, le fait d'être bon envers eux, le fait de les aider physiquement, de leur rendre service, le fait de visiter leurs malades, le fait de leur conseiller le bien, le fait de leur déconseiller le blâmable. Tout ceci entre dans le fait de lier les liens de parenté. Non. Et quand il a été demandé à Cheikh Al-Uthaymeen, rahimahullah, comment connaît-on une personne qui lie les liens familiaux et une personne qui coupe les liens familiaux? Quelle est la limite? Alors il a dit ça revient aux us et coutumes, à l'habitude des gens. Ce qui est considéré dans le pays où on vit ou aux coutumes dans lesquelles on est comme lier les liens, c'est ça, lier les liens. Ce qui est considéré comme rompre les liens dans nos habitudes, alors ce sera considéré comme rompre les liens. Car ni Allah tabaraka wa ta'ala, ni le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'ont délimité des actes précis
pour dire que celui qui les fait, il a lié les liens, et celui qui les délaisse, il a coupé les liens. Donc il n'y a pas un acte précis, ou un nombre de visites précis, ou une façon précise, fixée par la législation, pour lier les liens de parenté. Et quand une chose n'est pas fixée par la législation, on revient en cela aux habitudes des gens. Donc si l'habitude, par exemple, dans notre famille, dans notre pays, la personne qui ne visite pas, par exemple, dans certains, on va dire dans certains pays, la personne qui habite proche de ses parents et qui ne vient pas le visiter le jour de l'Eid, ça c'est Eid, ça il a coupé les liens. Ça c'est des habitudes, c'est pas l'islam qui a dit ça. Mais ces habitudes, elles sont prises en compte en islam tant que il n'y a pas plus que l'islam, la législation n'a pas déterminé une limite précise, alors on peut revenir en cela aux habitudes. Donc ça, cela revient, cela change d'un pays à l'autre, cela change de certaines nationalités à d'autres, cela change de certaines époques à d'autres. Par exemple, aujourd'hui, il y a des gens qui tiennent les liens par téléphone, parce qu'ils habitent très loin, et ils visitent une fois de temps à autre. Donc si c'est acceptable dans les us et coutumes, ce sera acceptable. Si par contre la personne il ne suit pas ce qui est acceptable religieusement dans les us et coutumes, alors ça voudra dire que religieusement il n'a pas les liens de, il n'a pas lié les liens de parenté. Non. On va finir inchallah rapidement. Parmi les choses que le cheikh a citées, shahadatu zur, le faux témoignage, qui est un grand péché. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a cité les grands péchés, à un moment, il était appuyé à la Kaaba. Puis il s'est assis. Il a dit « Wa shahadatu zur, wa qawlu zur » et il l'a répété. Le faux témoignage et la parole mensongère, et il l'a répété sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui prouve quand il a fait cela, c'est-à-dire il a voulu appuyer l'importance de cela et la gravité de cela. Donc, le faux témoignage, tous ceux qui font des faux témoignages, qui mentent, qui écrivent des fausses attestations, qui mentent dans leurs paroles, qui témoignent des faux témoignages devant les juges, etc. Tout cela, ça rentre dans ce péché. Aujourd'hui, c'est devenu monnaie courante. Alors que ça ne fait pas partie du comportement du musulman de mentir. Parmi les grands péchés qu'il a cités, l'ayman al-kadiba, le fait de prêter des serments mensongers. C'est-à-dire quelqu'un, il jure et il ment. Il jure et il ment. Allahu musta'an. Sans commentaire. Je dis juste sans commentaire, car tout le monde sait de quoi je parle. Parmi les grands péchés qu'il a cités, le fait de nuire aux voisins. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Wallah, il n'est pas croyant. Wallah, il n'est pas croyant. Wallah, il n'est pas croyant. Celui dont son voisin n'est pas à l'abri de son mal. Celui dont son voisin n'est pas à l'abri de son mal. » Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné d'être bon envers les voisins. Le voisin, il a un droit envers toi rien que du fait que ce soit un voisin. Si c'est un voisin qui est musulman et en plus c'est un proche, il a trois droits sur toi. Le droit familial, le droit de l'islam et le droit du voisinage. S'il est juste musulman et c'est ton voisin, il a deux droits sur toi. Le droit de l'islam et le droit du voisinage. Et si c'est un mécréant et c'est ton voisin, il a quand même le droit du voisinage sur toi. Le fait que tu ne lui nuises pas, et que tu lui viennes en aide et que tu lui donnes une bonne compagnie, un bon voisinage dans ce qui est halal. Le bon voisinage,
C'est une chose essentielle. Surtout, ce qui fait partie du bon voisinage, c'est de ne pas épier leurs défauts, de ne pas espionner ce qu'ils font, de cacher les défauts que l'on connaît sur eux, de les aider quand ils ont besoin de nous. Et c'est ça aujourd'hui le danger. Les gens, la personne qui trompe son voisin proche en dévoilant ses défauts, en dévoilant certaines choses qu'il entend de chez lui ou qu'il voit de lui ou de sa femme ou de ses enfants, alors il aura trompé son voisin. Et ceci est interdit en islam. Il ne faut pas dévoiler celui qui suit les défauts des autres. Allah subhanahu wa ta'ala va dévoiler ses défauts. Même s'il entend sans le vouloir ou il voit sans le vouloir, il baisse les yeux et il ne suit pas. S'il a entendu un début de dispute, il ne va pas mettre son oreille pour écouter la fin. Il s'éloigne. S'il a vu une chose qui n'est pas bien, il ne tend pas l'œil pour regarder le détail. Il baisse les yeux, il part. S'il s'en fait exprès, la porte elle est ouverte, il y a une voisine, elle n'est pas bien habillée. Il doit tourner le regard. Donc tout ça, c'est des choses importantes à respecter. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que si on trouve quelqu'un en train d'espionner chez nous, il lui a dit « crevez-lui l'œil ». Crevez-lui l'œil. Il a dit, si tu trouves quelqu'un, regarde chez toi, crève-lui l'œil. Car, pourquoi le fait de demander la permission avant d'entrer, ça a été instauré en islam? Pour le regard, pour éviter de voir ce qu'il ne faut pas. De même, si tu entres chez ton voisin, et ça c'est général aussi, si tu entres chez tes amis, chez des frères qui t'invitent chez toi, ou chez des sœurs, ne regarde pas toute la maison, les défauts. Après, tu pars, tu dis, ah, chez la sœur, c'est comme ça. Ah, chez le frère, c'est comme ça. Ah, j'ai vu telle chose. Ah, j'ai vu telle chose. Il t'a fait confiance, il t'a fait entrer chez lui. Tais-toi. Ne va pas dire, j'ai vu telle chose, j'ai entendu telle chose. Et ceci, malheureusement, est très répandu de nos jours. Et pour finir, parmi les interdits, il a cité en général l'injustice. L'injustice en général, que ce soit dans la personne, que ce soit dans les biens, en volant, en prenant les biens, en détruisant les biens d'autrui, dans l'honneur des gens, en parlant sur eux, en médisant sur les gens, en colportant, toutes ces choses qui sont interdites. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, savez-vous qui est le failli, la personne qui a fait faillite? Ils ont dit le failli chez nous au messager d'Allah, c'est celui qui n'a ni dirham ni dinar. Il a dit la personne qui a fait faillite de ma communauté, c'est celui qui vient le jour du jugement dernier avec des prières, avec la salat, avec du jeûne, avec le pèlerinage. Mais il a fait couler le sang d'un tel, il a médié un tel, il a frappé un tel, il a pris le bien d'un tel. Alors on lui prendra tant de hasanat et tant de hasanat. Et tant de hasanat, tant de bonnes actions, jusqu'au moment où il ne lui restera plus de bonnes actions, quand les bonnes actions seront épuisées. On prendra des mauvaises actions des gens à qui il a fait des injustices, on lui jettera dessus, puis il sera jeté en enfer. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, craignez l'injustice, car l'injustice sera de l'obscurité le jour du jugement dernier. Celui qui a une injustice dans ce monde avec son frère ou avec qui que ce soit, même si c'est un kafir, même si c'est un mécréant, alors il doit régler cette injustice dans ce monde avant que cela ne soit nuisible pour lui le jour du jugement dernier. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, quand il a envoyé Mu'ad ibn Jabal au Yémen, il lui a dit, prête attention à l'invocation de l'opprimé, car il n'y a pas entre lui et Allah de voile. Et Allah accepte la dua de l'opprimé, même s'il est kafir, même s'il est mécréant, comme il est venu dans le hadith sahih. Donc la personne doit craindre de ne jamais être injuste. Il vaut mieux être opprimé que opprimeur. La personne est opprimée, il lève les mains, Allah accepte ses doigts.
Il est opprimé, il dit, Ya Allah, facilite-moi, ouvre-moi les portes. Allah lui accepte cette dua. Il est opprimeur, la personne qui fait dua contre lui, Allah accepte ses dua aussi. Nas'Allah subhanahu wa ta'ala, salamat wa la'afiyah. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, inshallah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Walhamdulillahi rabbil alamin. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا.